Et bonjour tout le monde, Soximos. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. J'espère que vous allez bien les amis, moi je vais super bien. Nouvelle vidéo roleplay aujourd'hui, donc les amis, là cette fois-ci, bombardez-moi cette barre de pouces bleus. Oubliez pas, une vue est égale à un like les amis. Bombardez-moi cette barre de pouces bleus et oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis. Ça prend 5 secondes à faire, c'est totalement gratuit. C'est le bouton rouge qui est juste en dessous de la vidéo, le bouton s'abonner, et on est parti. Juste avant aussi, j'avais envie de vous dire, bah voilà, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton rejoindre qui est à côté du bouton s'abonner, au-dessus, en dessous, je sais pas. Il y a même un lien dans la description pour, c'est le lien, j'ai mis le lien deviens membre ou deviens sponsor ou rejoins la chaîne, je sais plus. En tout cas, eh bien c'est le bouton rejoindre, sinon eh bien c'est un abonnement payant cette fois-ci, c'est pas gratuit comme le bouton rouge, mais ça permet de me soutenir, de pouvoir acheter du matériel, payer la connexion internet et tout pour les vidéos. Donc voilà, je remercie les derniers sponsors. Il y a Sev, Eno, il y a Gaming, il y a Azerty, Dwayline, etc. Regardez, il y a plein de monde. Donc si vous voulez votre statut et si vous voulez, voilà, votre petite place dans ma maison, eh bien n'hésitez pas. Il y a des abonnements payants qui commencent à partir de 4,99€ par mois, etc., etc. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas les amis, ça fait super plaisir et ça me soutient énormément. Vous aurez une dédicace dans la prochaine vidéo. Voilà, il y a aussi également ma boutique de vêtements, ou ma boutique tout court, hein, puisque maintenant il n'y a vraiment plus que des vêtements. Si vous voulez commander des produits les amis, n'hésitez pas, et une fois que vous recevez les produits, eh bien envoyez-moi une petite photo sur Instagram comme ceci. Voilà, je me ferai un plaisir de les attacher partout autour de ma maison. Là j'en ai reçu quelques autres, des photos, mais j'ai pas tout mis. Donc voilà. Alors avant de faire la chose principale de la vidéo les amis, c'est que la dernière fois, eh bien on n'était plus dans la maison. La dernière fois on n'était plus dans la maison du tout, puisqu'il y avait des squatters qui avaient carrément barricadé la maison de l'intérieur, et nous on était à l'extérieur puisqu'on avait fait une petite journée camping. Et finalement bah c'est un peu tourné au drame parce que bah il y a des squatters qui en ont profité qu'on n'était pas là pour pouvoir se barricader à l'intérieur de la maison. Je pense qu'ils voulaient y vivre de base. Donc voilà, le problème c'est qu'il y a eu quand même quelques dégâts de leur part, et surtout de notre part, parce que pour les faire fuir, eh ben on a mis des canons à TNT là-bas et on a pulvérisé des TNT pour leur faire peur. Mais je crois qu'ils ont eu peur, mais la maison elle a pris cher aussi. Donc on va enlever tout ce qu'ils ont fait là en bêtises. Donc là je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ah bah c'est pour pas qu'on passe en fait par l'eau, tout simplement. Donc voilà, toutes les barricades, tous les trucs, ça c'était à Bertrand, mais ça on s'en fiche, c'est très moche. Par contre ils ont commencé à faire du jardinage, et limite tant mieux, parce que bah, c'est quand même plus joli comme ça. Ici il y avait des barricades, mais ça a été enlevé, mais vous avez vu, par exemple ici ça n'a pas été enlevé, donc on va le faire tout de suite les amis. On a pété une partie du toit aussi. Bon, il y a du soleil qui rentre à l'intérieur, mais c'est pas le but premier, c'est vraiment pas le but premier. Donc voilà, tac, 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 voilà, on casse vraiment tout les amis. On casse vraiment tout ce qui a été fait. Je pense que vous avez vu chaque route, ils les ont barricadées quoi, pour pas qu'on rentre. Bon, c'est une technique de squatter bien connue aussi. Hein. Donc regardez chaque fenêtre et tout, purée, c'est franchement ils sont un peu dans l'abus, ils sont un peu dans l'abus. Les amis, là il faut nettoyer la maison jusqu'à ce que ça soit parfait. Alors tac, 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 voilà. D'ailleurs aujourd'hui les amis, pourquoi je vous dis qu'il y a un gros truc qui va se passer, c'est que eh bien je sais pas si c'est un gros truc qui va se passer, mais en tout cas il y a Bertrand et il y a Nils qui sont depuis quelques semaines, je dirais, j'allais dire quelques jours, mais c'est vraiment quelques semaines, ils sont en train de préparer un truc chez Nils. Donc Bertrand il part chez Nils, il est parti ça fait deux semaines. Et là, bah, je sais pas ce qu'il prépare, et il a dit que ça allait être pour aujourd'hui. Alors, je sais pas ce que c'est, peut-être une surprise, les amis, parce qu'aujourd'hui, dans la vraie vie, c'est mon anniversaire. Alors, du coup, peut-être que ça sera une... Peut-être qu'il a préparé ça, et que ça sera une surprise et tout. En vrai, j'en sais rien, mais du coup, il a dit qu'il allait être dispo aujourd'hui. Donc, on verra bien, les amis. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour vraiment voir s'il me fait une surprise, ou en fait si c'était quelque chose qui n'avait rien à voir. À mon avis, je pense que c'est une surprise parce que il sait pas tenir sa langue, le petit Bertrand. Il m'avait dit ouais, je vais kiffer ou je sais pas quoi. Mais regardez, il y a un cheval. C'est quoi ça? Cheval du cosmos. Quoi? Ah, c'est le cheval du cosmos. Attends, il peut pas. Le cheval. Ah, purée, le cheval du cosmos, il saute pas haut. Ah mais purée, mais il peut pas choisir un meilleur cheval que ça, parce que là, alors hop hop. Bon, le cheval du cosmos les amis, en attendant il va pas rester dans la piscine parce que c'est n'importe quoi. Voilà, on va le laisser là, et on va lui mettre une petite
une petite laisse, donc laisse, voilà, et on va lui mettre, voilà. On va vraiment, on arrange la maison parfaitement, les amis. On arrange la maison parfaitement bien. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, pour mon anniversaire, les amis, eh bien, déjà que vous allez me le souhaiter, j'aimerais bien. Et du coup, j'aimerais énormément aussi que Bertrand ou quelqu'un me fasse un petit cadeau. Ah, je vais regarder dans ma boîte aux lettres s'il y a quelque chose. Ça se trouve, il y a quelque chose. Oh purée, il y a encore les Squid Game qui sont. Purée, c'est-à-dire qu'il y a encore un. Ah, mais j'ai plus de boîte aux lettres, moi. Bon, j'ai plus de boîte aux lettres. Bon, bah, j'ai pas de cadeau, moi. Ça, je le sais. Eh, faut faire gaffe parce qu'à ce qui paraît, il y a un monstre ici. Hein. Non, mais là, je peux pas tout non plus. Je peux pas tout arranger, les gars. Y a trop de choses. Elle est trop en bordel, la maison. Elle est beaucoup trop en bordel, les amis. Vas-y, on vire les vieux Squid Game là. Oh! What? What the fuck? Les amis. Oh là, y a plus rien là. Je vais demander à Bertrand si c'est normal. Parce que regardez, il n'y a vraiment plus rien ici. Je pense que c'est pas normal, hein. Je pense que c'est pas normal, les amis, ça. Il n'y a plus rien. Ou à moins que c'était un mytho. Il y a un monstre, c'est un mytho. Parce qu'il n'y a vraiment rien. Il n'y a plus rien. Alors, il y a aussi un petit trou à reboucher là. Et après, les amis, eh bien, on va appeler. Ou peut-être qu'ils vont venir. Parce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient venir. Mais ça sera pour tout. Je sais pas. Ça sera pour tout à l'heure. Je sais pas. Ah merde, attendez. Je fais mal mon boulot là. C'est tac, tac, tac. Voilà, on fait ça. Tac, tac. Voilà, on fait ça. Ça, et on remonte bien comme ça, les amis. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et voilà. Là, le trou là, on le fera. Je pense qu'on le fera plus tard. Hein. Je pense qu'on le fera plus tard. Donc voilà, les amis, franchement, mettez un maximum de pouces bleus. Je compte sur vous. Là, chacune des personnes, si vous n'avez pas mis un pouce bleu, eh bien, mettez un pouce bleu. Essayez avec votre nez de mettre un pouce bleu. Vous faites comme ça avec votre tel. Objectif, les amis, mettez un pouce bleu avec votre nez. Voilà, ça va être l'objectif d'aujourd'hui. Bon, on va pas réparer tout ça, les amis. Moi, j'ai envie de passer une bonne journée d'anniversaire. Donc là, les amis, au niveau de la maison, bah, elle est nickel. Donc c'est bon, il n'y a plus rien. Bah, je crois, hein. Il n'y a plus rien à se reprocher. D'ailleurs, ça m'étonne un peu que Bertrand, il a un peu abandonné son kebab. Je pense que c'est vraiment pour un truc important. Alors, s'il est parti avec Nils, je me demande bien ce qu'ils font parce que entre Nils, le fou un petit peu intelligent, et Bertrand, le fou. Le fou tout court, y a pas, c'est le fou tout court. Là, franchement, ça peut être un petit peu. What? Y a quelqu'un, y a quelqu'un. C'est qui ça? Y a des gens, les amis, y a des gens cagoulés. Y a des gens. Wesh, ça tire. What? Tu es là? Mets en l'air, Wesh, mets en l'air, mets en wesh. l'air. Oui, À quoi? terre, Qu'est-ce qu'il à y a? terre, Oui, à à terre, ouais. terre, Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? à Ah! terre. Ah! Non, Arrête me de tuez pleurer. pas! Me tuez pas! Me tuez pas! Arrêtez! Me tuez pas! Arrêtez! Arrêtez, je suis innocent, j'ai rien C'est quoi ce fait! tableau là? C'est un abonné! Bah dehors, dehors, Il a dehors, acheté dehors, un allez dehors. mug! Tu veux un mug? Non, Un je veux pas mug de ton œil. Oxymose! Qu'est-ce De qui. dehors. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis Monte dans la innocent! voiture, monte Je dans suis la voiture. innocent! Je suis innocent! Écoutez, monsieur, c'est mon anniversaire, je Ouais, veux je pas être sais. kidnappé! Comment ça, tu sais? Bah je sais que c'est son anniversaire. Oh, Nils! Nils? Non, non. Oh Bertrand, purée, je t'avais pas reconnu. Oh, comment j'ai eu peur. Oh purée, j'ai cru que c'était un vrai Tu te la kidnapping. fermes, toi. Tu te la fermes. Mais Non mais comment hé il nous a... hey Arrête, il nous a cramé, il nous a cramé par rien. Hé, hey, tu me parles mieux, toi, là. Hé, hey, je suis pas un otage, là. Ouais, mais attends, mais pourquoi vous avez eu... Où est-ce que vous avez eu le van noir, dis donc? T'inquiète. T'inquiète, c'est les contacts. Les Viens, contacts. viens là, viens Contacts. là. Ouais, joyeux anniversaire. Joyeux Ouais, anniversaire! merci, merci, merci! Waouh! Alors du coup, on a Ah! Bertrand qui a voulu absolument te préparer un cadeau d'anniversaire. J'ai pas pu dire non pour le coup. C'est ça mon anniversaire! Ouais. Joyeux Oh! anniversaire! Waouh, Tu peux leur chanter merci! avec moi! Joyeux anniversaire, anniversaire! moi! Joyeux anniversaire, Oxymose. Oxymose, t'es moche, on Joyeux Joyeux anniversaire. Ouh, j'ai anniversaire. 22 ans, je Alors. fête mon anniversaire sur Minecraft. Ouh. Wouh! Alors je te rassure, ouais, tout le budget n'est pas passé là-dedans. Hein. Le plus gros est parti en ton cadeau. Ah, j'ai un cadeau, moi? Ouais, t'as Fuck, un on vend de cadeau. mythos. Mais c'est par contre, le gâteau, c'est. Je vais pas te poser la question de qui l'a fait. Bertrand, je peux avoir mon vrai gâteau là? Non, c'est ça.
Mais c'est hors de question que je... Mais c'est un kebab d'anniversaire, là. C'est pas un gâteau d'anniversaire. Bertrand, non, t'as pas... Attention, il y a un petit peu de cire qui a coulé sur le kebab. Mais t'inquiète pas, c'est encore mieux. Eh, hey, Bertrand, tu me vires cette truc de boisson énergisante, là, qui a fait canner papy. Et le kebab d'anniversaire, j'en veux pas. Je veux un gâteau d'anniversaire, moi. Je m'en fous du cadeau, je veux un gâteau, j'ai faim. J'ai la dalle. Faire, si tu veux. Eh, hey, franchement, c'est le pire anniversaire que j'ai vécu, là. Non, pas des poubelles. Eh, hey, c'est le pire anniversaire que j'ai vécu, le faux kidnapping. Regarde, il est encore frais. Non, je veux pas. Il est tombé par terre. Non. Attends, parce que... j'ai plus rien. Entre le faux kidnapping, le kebab d'anniversaire, et ça... Les gars, bon. Ouais. C'est waouh. Quoi? Franchement, ça, si ça mérite pas un pouce bleu, ça. T'as dit de prendre un gâteau, pas un kebab. Ouais, mais j'ai que ça, moi. Non, moi, gros mytho. J'ai rien d'autre dans mon restaurant. Ouais, gros mytho. Lui, ça serait son anniversaire, faudrait faire venir un hélicoptère. Là, c'est. Zachar, il est jamais content de rien, lui, hein. Tout. Non, mais je suis content de vous voir. Vous êtes. Franchement, en plus, Nils, avec ta beubar là, par contre, le coiffeur, il t'a fait une mauvaise coupe, hein. Le FF. Dis-lui que t'es zaraf de ta coupe. Parce que là, attends, c'est... Par contre, je vais rendre le van au gitan avec qui je l'ai piqué, je reviens. Oh, pff, ok. Bon, sinon, vous m'avez fait un cadeau, vous avez dit? Ah oui, c'est vrai, ton cadeau. Attends, tiens. Ouais, j'ai peur. Mets ça sur ta tête. Tu as le bandeau sur ta tête. Ah, un chapeau, merci pour le chapeau. Non, c'est pas le cadeau, mets-le, c'est pour te ramener la surprise. C'est pas le cadeau? Non. Qu'est-ce que tu racontes? Mets-le, enfile-le. Bah ok, je l'enfile, attendez, je l'enfile. Au final, il a pas voulu me voir étrangement. Quoi? Ah, il a pas voulu me voir, du coup j'ai gardé sa caisse. Ah bon, bah j'espère que t'auras pas de problème. Ah, bon, oui. Attends, ah, c'est bon, vas-y. Attends, Nice, c'est normal la surprise là que je dois mettre. Oui, c'est normal, t'inquiète. T'es sûr c'est pas un truc... Eh, je le sens mal avec vous là. Fais-moi confiance. Vous préparez quoi depuis deux... Vous préparez quoi depuis deux semaines, vous? Eh, c'est bon, je vais pas avoir votre surprise. Mais le bandeau! Ah! Oui. Non, mais c'est quoi? Mais attendez, j'ai pas le droit à un indice. Donnez-moi un indice déjà, c'est quoi le cadeau? Je veux faire une petite devinette. C'est de dîner. Ah, vas-y. Ouais. C'est encore mieux. Le bandeau, c'est parce qu'on va aller à Disneyland. Presque. Il y a plein de sensations fortes aussi. Plein de sensations fortes. Alors, ça doit être comme Disneyland, ça doit être. Le Futuroscope à Poitiers. J'espère que t'aimes le Space Mountain, parce que là t'inquiète Space pas. Space Mountain, bah c'est... Mais ça c'est à Disneyland, Nils. Oui, on va à Disneyland. Ouais, vas-y, mets ton bandeau, on va à Disneyland. Ok, waouh, les amis, on va à Disneyland, trop bien. Bon, par contre, les amis, je vais devoir me bander les yeux. Donc là, je vais plus rien voir de la surprise. Il y a que les abonnés qui vont voir, hein, parce que moi je vais pas la... Enfin, il y a que les abonnés qui vont pas être spoil plutôt, parce que moi je vais quand même voir la surprise, mais voilà. Donc les amis, c'est parti, je vais me bander les yeux, je reviens. Ok les amis, c'est bon, j'ai les yeux totalement bandés, et du coup, eh bien, là je vois dans le noir total, enfin je vois absolument plus rien les amis, et j'ai même les yeux fermés, donc là je peux rien voir les amis. Donc c'est parti, du coup je dois aller où? On retourne dans la voiture. Attends. On retourne dans la voiture? Ouais, on va à Disneyland par l'avion. La voiture, c'est où? Tout droit. C'est tout droit. Attends, je te tiens la main. C'est bon, là, je peux rentrer dedans? Ouais, vas-y. C'est bon, je suis dedans? Ouais. Ok, c'est bon. Et du coup, on va à Disneyland, mais du coup, pourquoi on bande les yeux si on va à Disneyland? Attends, par contre, je viens de penser Attends, Bertrand, tu voulais pas prendre quelque chose à la maison, toi? Ah, si, viens, on y va. Allez, on fait un petit détour. Faut que je vérifie un truc, en fait. Ah merde, vous devez chercher quelque chose à la maison? Ouais, donc tu regardes les yeux bandés un peu plus longtemps. Mais c'est bon, je sais qu'on va à Disneyland, je peux enlever mon bandeau, non? Non. Oh, j'adore Space Mountain en plus. Qui est déjà allé à Disneyland parmi les abonnés dans les commentaires? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes déjà allé à Disneyland? Ouais. J'espère que vous faites pas de bêtises, les garçons, hein. Non, t'inquiète. Ok, bon bah super. Les gars, pourquoi il y a du mouillé là? Pourquoi c'est mouillé? Ça c'est Bertrand qui a renversé son jus de pomme. Il pleut ou quoi? Les gars, vous faites quoi? Descends de la voiture, la voiture inondée à cause de son jus de pomme. Oh mais attendez, c'est ultra dangereux les gars, je suis dans... Oh, ah mais c'est froid. Derrière toi. Ouais, ok. Je suis encore obligé d'avoir les yeux bandés? Ouais.
Oui. Ok, ok. Bon, du coup, okay, je fais quoi maintenant? Je sais pas. Attends, tu m'attends là, je reviens. Ouais, vas-y. Ok, ok, ah. Bon. Il est parti chercher quoi, Bertrand? Je sais pas, il est parti chercher un kebab porte-bonheur, je crois. Un kebab? Mais il nous fait un détour quand dans... Attends, mais me dis pas, t'as fait tomber le van dans le fleuve? Non. Bon, De toute façon, c'était pas le mien. Ouais, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, ah, bah, nickel. Ta voiture, là? Non, y a pas ma voiture. C'est pas ma voiture, oh. Ça. Y a une voiture dans le jardin et c'est la... Attends, y a peut-être ma voiture, mais... Non, la voiture qu'il y a dans le jardin, la blanche, c'est la voiture de Bertrand. Oxy! Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui as libéré le monstre! Non, justement, je vais t'en parler! C'est quoi cette histoire de... J'ai vu en enlevant les barricades, en fait, il y avait déjà plus de barricades. C'est les squatteurs et mon kidnappé mon monstre! Oh, ça se fait pas! Bon, vas-y, elle est où la surprise? J'en ai marre d'avoir les yeux. Bon, vas-y, tout droit. Tout droit. Non, attends, pas droite. Ok. Ouais. Ok. Non, vas-y, tu enfonces dans les poubelles, arrête. Ah merde, ah oui, je vois à peu près, là, il y a le garage. Ouais. Ah, là, il y a le garage. Attends, je vais enlever la voiture de l'eau, je reviens. Ah, ok. Ok, bon, bah, nickel. Il va ramener l'eau, la voiture, parce que... Si c'est mouillé, t'en fais pas. Hein. D'accord, pas de souci, pas de souci. Oh purée, j'espère que vous m'avez concocté une bonne surprise d'anniversaire. En vrai, vous la notez sur combien la surprise d'anniversaire si c'est Disneyland ou pas? Parce qu'en vrai, vous la notez sur combien, vous, de, le fun? 12, hein. Vu le prix, ça m'a coûté 12 sur 20 10. Ah, sur 10? C'est pas possible. Vas-y, 20 à gauche. Oui. Ouais, vas-y, la voiture est là. Je suis dedans? Ah oui, c'est bon, je suis dedans. Ouais, c'est, okay. C'est Bertrand qui conduit, attention! Oh non, Bertrand! Je vais arriver vivant à ma surprise, moi! Ouais, la force d'un arbre! Oh là, mais je sens des coups là, je sens des gros à-coups! Il a écrasé une mamie! Non, mais Bertrand! Bertrand, arrête-toi, il faut faire un constat sur la mamie, voir si elle a aucun dégât! On se casse! Bon, nickel, nickel! Ok, on est bientôt arrivé! Nickel! J'ai vers Disneyland, pardon. Oh, Disneyland, mais attends, mais sur l'île, il y a pas Disneyland. Attends, vas-y. Okay, eh, je sens que c'est une grosse connerie parce que sur l'île, il y a pas Disneyland, les gars. T'inquiète, ok, descends de la voiture. Et vous allez pas me faire prendre. Descends de la voiture, tais-toi. Oui. Okay. Tu vas un tout petit peu à droite. Oui. On va t'envoyer en enfer. Voilà. Tu vois, t'avances tout en tout droit, il y a le guichet. Ok, tu rentres dans le guichet. Non, à droite. À droite. On voilà. Ouais, je sens un truc là. Je sens un truc. Faut que je... Oui, il y a une porte là. Vas-y, rentre dedans, c'est le guichet. Okay. Ok. Alors pour payer maintenant, tu vas appuyer sur espace. Espace, ok, ouais. Ouais. Attends, je vois pas le bouton. Attends, il y a plein de boutons là dans le truc. Ouais, non, c'est quoi ce guichet bizarre? Gros bouton espace là. C'est quoi ce guichet? Eh, vous me faites quoi? C'est quoi ce guichet bizarre là? Pourquoi je suis. C'est un guichet automatique. Pourquoi ça sent l'essence tout d'un coup? Attends, il y a un cochon. Bon, j'appuie. Ah, c'est bon. Vas-y. C'est bon, j'ai appuyé. Deux fois pour valider le paiement. Ok, vous êtes sûr que c'est pas une blague, hein? T'inquiète. Ok, j'appuie une deuxième fois. Vas-y. Oh, ok, parfait. Pourquoi y a du bruit? C'est Space Mountain qui passe à côté, t'inquiète. Bon, c'est Space Mountain. Oh, trop bien. Ouais. Je peux enlever mon bandeau pour Space vas-y, Mountain? Tu peux. Non, je peux pas. Attends un peu. Si, il peut. Ok. 3, 2, 1, tu peux enlever ton casque. Ok. J'enlève. Oh, quoi? Pourquoi tu donnes? Non, pourquoi je donne une fusée? Pourquoi je donne? Merci. Quoi? Mais ils sont sérieux, quoi? Mais non, les amis. Mais quoi? Mais ils sont sérieux? Ils m'ont mis dans une fusée, les amis. Non. Mais je vais où? Je vais dans l'espace. Mais ouais, c'est quoi ça, les amis? Ok, les amis, je viens d'être éjecté par la capsule qui est jusque là. Oh purée, faut que je nage jusqu'à là-bas. Je suis en train de m'éloigner. Oh, les amis, je sais pas où est-ce que Bertrand et Nils, pourquoi ils m'ont envoyé en fusée? Mais c'est des tarés ou quoi? Regardez, les amis, je suis en suspension dans l'air. Je suis vraiment en suspension dans l'air. Je sais pas, c'est un truc de fou, les amis. Regardez ça. Genre, je touche à rien. Je suis en suspension dans l'air. Attendez, il faut que j'arrive à rejoindre la capsule. Elle est juste là. Vite. Faut que j'arrive. Allez, hop, c'est bon. J'ai réussi, les amis. On va fermer. On peut pas fermer. J'aurais plus d'oxygène. Ouah, les amis. Je suis dans la station spatiale, dis donc. Ouah. C'est un truc de fou, en vrai. C'est un truc de fou. What the fuck. Ouah. Ah ouais, mais là, c'est un truc de fou. Hein. C'est vraiment un truc de taré.
Les amis, je sais pas où aller. Mais bref, mais comment est-ce que je vais retourner à la maison, moi? Comment est-ce que je vais rentrer sur Terre? Regardez, les amis, on voit avec les petites fenêtres ici. Ça va être impossible de retourner sur Terre. Wow, et comment je vais pouvoir rentrer et tout? J'ai pas de fusée pour revenir, moi. C'est fini. Regardez, regardez, je touche à rien. Je touche absolument à rien. Et du coup, j'avance tout seul. Waouh, ah ouais, non, c'est énervé, les amis. Comment je vais faire pour survivre ici? Je sais pas du tout, les amis. Je suis déjà perdu. Bon, les amis, ce qui va se passer, les amis, c'est que là, je sais pas ce qui va se passer, en fait. C'est ça, le problème. Regardez, on voit la Terre tout en bas. On voit la Terre, là, c'est horrible. C'est vraiment horrible. On va essayer de... Là, on peut sortir. Oh, là, on peut sortir. Waouh. What the fuck, les amis, mais... Oh, regardez, là, si je m'en vais, je pourrais jamais me rattraper. Et la station, elle est énorme, elle est énorme. Bon, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là pour cette vidéo. Oh, j'ai encore mes yeux bandés. Les amis, on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si vous voulez la suite demain, parce que là, demain, bah, j'aurai pas d'autre choix que de rester ici, du coup, et essayer de survivre dans cette capsule, les amis. Eh bien, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et surtout, abonnez-vous pour pas louper la vidéo demain, sinon vous allez la louper. Donc, abonnez-vous, c'est très important, les amis. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Oxymose pour vous servir. Allez, ciao, ciao.